vue du ciel, cette phrase en anglais. Le rêve de Tiens est Nice sur la Côte d'Azur. Tiens est le nom d'un conglomérat chinois et le patron de ce groupe a effectivement offert du rêve à plus de 6000 de ses salariés. Un voyage en France, d'abord à Paris, puis à Nice. Un beau cadeau d'anniversaire pour les 20 ans de l'entreprise. Nous avons choisi Nice, dit-il, car c'est la plus belle ville au monde. Et pour les Chinois, être ainsi entre la montagne et la mer, c'est incroyable. C'est pour cela que je les ai invités. 6000 Chinois en même temps, c'est la plus grande délégation chinoise jamais venue en Europe. Imaginez le budget, entre les billets d'avion, les chambres d'hôtel, les repas dans les bons restaurants, le coût du voyage se chiffre en dizaines de millions d'euros. Une chose est sûre, le patron milliardaire sait soigner ses employés. Une autre chose est sûre, la France sait soigner ses généreux visiteurs. Le patron du groupe Tiens a été reçu par le ministre des Affaires étrangères en personne, qu'il a évidemment chaleureusement invité à revenir.